Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, je vais nickel et aujourd'hui, nouvelle vidéo assez spéciale. Donc, ça va être tout simplement mon retour sur YouTube. Donc, c'est parti. Donc, les amis, je vous tiens à vous prévenir que sur cette vidéo, je vous demande pas de liker cette vidéo, mais je vous demande à mettre plein de commentaires sur cette vidéo. Question positif et du négatif. Pourquoi du négatif? Bah, tout simplement, s'il y a quelques insultes pas trop méchants, ben je l'assume amplement et je vais les laisser dans les espaces de commentaires. Donc bien sûr, vers mes chers abonnés aussi, par rapport que les personnes qui vont prendre peut-être ma défense, par rapport à les personnes qui vont critiquer ou insulter, laissez-le. Ils ont totalement raison, parce que comme je l'ai dit, voilà, comme je l'ai dit par avant, on va dire tout simplement, je vous ai mis une carotte. Donc voilà, je l'assume amplement. Et voilà, c'est ma faute. Et puis voilà. Donc aussi, les amis, je vais vous parler bah, de tout par rapport à mon absence, par rapport à mes projets, et par rapport, etc., etc. Et aussi, avant de commencer un petit peu la vidéo, voilà, on est sur une vidéo assez chill. Donc voilà, pas prise de tête. Voilà, une vidéo détente entre vous et moi. On parle entre vous et moi, pardon. Et puis voilà, pas prise de tête. Et voilà, calmement. On fait étape par étape. Si la vidéo, elle dure 9 minutes, elle dure 9 minutes. Si elle dure 25 minutes, elle dure 25 minutes. Même 30 minutes, etc. Vous m'avez compris, on a largement le temps. Donc voilà. Donc, les amis, je vais vous parler du premier truc, le premier sujet par rapport à moi, par rapport à la chaîne. C'est tout simplement mon absence sur YouTube. Vers plus de 2 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, j'avais en cours d'idées et j'avais plus envie de faire du contenu, des vidéos. Bah, tout simplement, pourquoi j'avais plus d'idées? Bah, tout simplement, voilà, j'ai plus d'idées. J'avais plus d'idées. On va dire tout simplement, les amis, vous savez, sur ma chaîne YouTube, j'ai tout posté, tous les épisodes de Nicky Larson. Donc, du première saison jusqu'à la plus de quatrième saison, donc l'AVF, la voix française. Et si vous voulez, bah malheureusement, il y a eu un gros souci parce que vous savez que je suis pas responsable par rapport à les vidéos YouTube, non, par rapport aux épisodes de Nick Carson. Voilà, parce que c'est pas un contenu à moi, c'est on va dire, c'est un contenu volé que voilà que j'ai pris. Bah, tout simplement, bah, YouTube, bah, il les retire les vidéos au fur et à mesure. Donc, c'est normal que vous voyez plus les épisodes de Nicky Larson, etc., etc. Vous allez dire les films. Ça, les films, ça, c'est une autre manche. Pourquoi? Parce que j'ai les droits. J'ai les droits de poster tous les films, c'est inter, mis à part les nouveaux Cupidon, Privatize. Donc, et Nicky Larson, Jackie Chan, et Nicky avec des i. Ouais, Nicky avec des i. Donc voilà, ce film-là. Donc voilà. Mis à part bah, tous les films, tous les anciens films, Magnum 357, etc., etc. Vous m'avez compris. Ça, j'ai le droit. Parce que j'ai les droits, mais après ça, j'ai pas les droits. Donc voilà. Vous allez dire pourquoi? Je ne sais pas. Donc voilà. Et aussi, bah voilà, comme je l'ai dit, je vous ai parlé par rapport pourquoi il y avait plus de contenu et pourquoi j'étais. Pourquoi je voulais plus de poster des vidéos, j'étais démotivé. Bah, tout simplement, bah en fait, je me rappelle quand j'avais posté la vidéo, j'avais fait un jour. Bon, un jour, c'est pas grave, je peux repousser encore la vidéo. 2 jours. Allez, je peux encore repousser. 3 jours, etc. Après, ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et après, bah. Comment on dit, ben on lâche l'affaire parce que on n'a plus d'idées, on n'a plus rien, tu vois, etc. Tu vois, donc on laisse la chaîne en abandon. Donc c'est normal que je vous ai dit à mettre des commentaires négatifs quand même par rapport à ça, parce que c'est cause de moi, je vous ai pas prévenu à l'avance que je vais faire une pause ou etc., etc. Donc voilà. Et aussi, les amis, aussi, je vais vous parler. Aussi de quelque chose qui me tient à cœur, c'est par rapport à mes projets. Je sais que j'ai fait des tonnes sur ma chaîne YouTube, que je vous ai même mis une carotte. C'est vrai que je l'assume amplement. C'est vrai que façon de parler, je vous ai mis un couteau derrière le dos. Façon de parler, je vous ai promis de plein de choses en été. Et là, ben, c'est façon de parler comme un château de cartes, ça tombe par terre et puis voilà, comme je dis, voilà.
Bah tout simplement, après comme j'ai dit, si vous croyez, vous croyez pas. Je vais pas vous dire, hein, voilà, je vais pas vous dire des détails, mais vous savez bien que sur ma chaîne, je vais faire que du animé et manga. Donc, je vais changer un petit peu de contenu par rapport que du City Hunter. Par avant, je me rappelle vers quelques mois plus tard, par avant 4-5 mois en arrière, je vous ai dit que à Noël que j'allais changer de contenu et tout parce que c'est pas question, ça me plaît plus City Hunter, mais face au parler, il n'y a plus rien à faire donc voilà, je voulais changer diverses, on va dire, la chaîne, etc. Parce que les animés manga, j'adore, c'est un truc que j'adore, c'est ma vie donc voilà. Et là, comme je l'ai dit, je remets ce projet-là au tapis, donc au tableau, au tapis, ce que vous voulez. Bah, tout simplement, je vais faire peut-être des top 3 ou des top 5, les meilleurs animés, ou top 3 ou top 5, les nouveaux animés d'aujourd'hui, etc. Donc, il n'y a pas que les animés, il y a le manga aussi. Donc, voilà. Moi, je vais faire ça parce que c'est un contenu que j'adore. J'adore énormément. Et je vais me mettre à fond, à fond, à fond. Je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont pas me croire. Parce que c'est vrai que je vous ai mis une carotte. Façon parler, si vous voulez, je vous ai mis un couteau derrière le dos. C'est vrai que si vous voulez me croyez ou me croyez pas. Voilà, comme je l'ai dit, c'est de ma faute. Amplement. Comme je l'ai dit, maintenant, aujourd'hui, c'est sûr, à 100%, je suis obligé de vous faire montrer. Des preuves que ce projet il tient debout etc. Donc voilà, faut que je fais vous faire montrer des vraies preuves pour comme ça vous me croyez et puis voilà. Donc voilà. Comme je l'ai dit, secrètement, c'est un contenu comme je l'ai dit, c'est un projet ou soit un contenu qui me tient fort à cœur parce que j'ai que ça comme projet dans ma tête à faire par rapport à sur cette chaîne. Parce que comme je l'ai dit, les animés manga, c'est comme pareil, c'est comme dans City Hunter parce que City Hunter c'est manga animé, donc c'est toujours dans, je sais pas comment vous expliquer, c'est toujours dans le même cercle, toujours dans le même rond, tu vois. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas aussi, la série City Hunter, donc ce contenu-là, je vais pas l'arrêter. Ça, c'est le cœur de ma chaîne, faut pas oublier, ça, c'est le cœur de ma chaîne. Donc là, tout simplement, un exemple, si le film City Hunter, il sort demain, je vais le voir, je vais vous en parler, etc. Parce que City Hunter, c'est grâce à ça que ma chaîne a avancé, que c'est là, aujourd'hui, que je suis à plus de 22 000 abonnés. Donc voilà, comme c'est grâce à vous, tout ça. Je peux pas quitter le jour de demain City Hunter, je peux pas, je ne peux pas. Donc, comme je l'ai dit... C'est vrai, il y aura moins de vidéos par rapport à City Hunter parce que ça a pas être, ça a pu être le principal de la chaîne, mais ça va être toujours d'actualité. Donc s'il y a un nouvel épisode, un nouveau livre de manga City Hunter, je vais poster à gogo. Mais on va dire maintenant le deuxième sujet de ma chaîne, ça va être quoi? Ça va être plusieurs univers de manga animé. Comme j'ai dit, je vais faire des tops, etc., etc. Comme j'ai dit, bien sûr, je vais faire mon mieux par rapport à les montages, etc. Faire de mieux en mieux parce que maintenant le but de moi, l'objectif, c'est de recréer une confiance entre vous et moi parce que c'est vrai, cette confiance, on l'a perdue. Cause de qui? Hein, on va pas faire de dessin à cause de moi parce que comme j'ai dit, je l'assume. Et comme je l'ai dit, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des vraies preuves. C'est pas que des paroles en carton. Non, ça va être des vraies preuves que je vais vous faire montrer. De toute façon, les vraies preuves, c'est quoi? C'est les vidéos, tout simplement. Et donc aussi, de toute façon, les amis, de toute façon, ce projet-là, il va arriver dans très peu de temps parce que je vais poster minimum. Deux vidéos par semaine, ouais, je vais poster deux vidéos par semaine. Un exemple, là, je vais poster peut-être le mercredi et le samedi. Donc voilà, ça peut être cool. Et puis voilà, ou soit trois vidéos par semaine, je vais voir ça. Mais je pense, généralement, je pense, ça va être trois vidéos par semaine parce que je pense que ça va être bien le mercredi, le vendredi et le dimanche. Donc ça peut être cool. Et puis voilà. Et comme je l'ai dit,
Ouais, comme je l'ai dit, oui, faut que je fais montrer mes preuves, que je suis bien là, pour comme ça je suis retourné en force, voilà. Donc, comme je l'ai dit, faut que j'ai de la niaque, de la patate, et puis voilà. Donc voilà. Donc aussi les amis, il y a une deuxième chose qui me tient à cœur aussi, c'est par rapport à aussi vers un réseau social. Et c'est quoi? C'est tout simplement TikTok. En fait, ça fait très peu de temps, ça fait allez, peut-être un petit peu plus de 2 semaines que j'ai créé un compte TikTok. Il s'appelle Onizuka Sensei. Donc, je vous mets, si tu veux, si vous voulez, à l'écran, pardon. De toute façon, je mets dans la description. Sur mon compte TikTok, je poste des animés. Donc, si vous voulez, des épisodes d'animés. Donc, si vous voulez, je fais des séquences, des parties. Je fais partie 1, partie 2, partie 3, comme sur ma chaîne YouTube. Et c'est des vidéos de 5 minutes. Donc pour finir, un épisode d'un animé manga, ça dure. Allez, si on compte pas les intros, etc., c'est entre 20 et 21 minutes. Donc en 3 ou 4 parties, ben, je peux terminer facilement. Et en plus, sur mon compte TikTok, je poste entre 2 ou 3 vidéos par jour. Donc si vous voulez, si vous voulez, aujourd'hui, je poste au matin, après-midi et le soir. Donc voilà. Ça peut être bien. Et là, ce soir, si vous êtes fan de Demon Slayer, si vous voulez voir le tout dernier épisode qui va sortir ce soir, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Donc, je suis à plus de 300 followers en l'espace de 2 semaines. Je suis extrêmement content. Ça a vraiment évolué par rapport à mon TikTok. Je suis énormément content. Je suis très, très, très actif. Comme je l'ai dit, 2-3 vidéos par jour, donc c'est quand même assez pas mal. Je sais, il y a certaines personnes qui postent beaucoup plus. Moi, je trouve ça va être extrêmement bien parce que plus je poste des vidéos sur ma chaîne YouTube et plus je poste des vidéos sur TikTok. Donc, n'hésitez pas, je mets dans la description ou soit dans les commentaires. Donc, vous pouvez regarder. De toute façon, ça va être épinglé dans les commentaires. Donc, voilà par rapport à ça. J'ai tout dit par rapport les réseaux sociaux et etc. Et la dernière chose que je vais vous dire. Tout simplement, comme je l'ai dit, maintenant je vais pas vous demander à me croire, je vais pas vous demander à gagner votre confiance et tout. Non, maintenant c'est à moi que je vais vous, c'est moi que je vais bouger le fion, à vous, on va dire recréer l'amitié entre vous et moi parce que je sais qu'il y a des gens qui ont quitté ma chaîne parce qu'à cause de mon absence et à cause de tout, parce que c'est vrai, il y a certaines personnes que je pense qu'elles sont dites dans leur tête, putain, ça fait 2 mois que, désolé à dire, désolé pour le putain, mais je pense qu'il y aura des gens, ils vont dire, putain, ça va faire plus de 2 mois qu'il a plus fait de vidéos, il foutait notre gueule, et en plus, ça avait dit avant l'été qu'il y aura des dingueries sur la chaîne, etc. Et c'est vrai que j'ai pas tenu mes paroles. Franchement, maintenant, c'est à moi de recréer une amitié entre vous et moi, recréer cette amitié qu'on avait auparavant, qu'on rigolait, etc. Et puis voilà. Et puis voilà. De toute façon, pour toutes les personnes qui me soutiennent, je vous remercie, ou soit pour toutes les personnes qui me croient plus, bah je vous remercie quand même. Pourquoi? Pourquoi? Bah tout simplement, voilà, vous regardez cette vidéo et moi le but sur cette vidéo, c'est vous marquer plein de commentaires sur cette vidéo et regarder en entier de A jusqu'à Z. Moi tout simplement vers les personnes que soit c'est des haters ou soit des personnes qui les insultent, mais ils ont regardé de A jusqu'à Z vers toute la vidéo, je vous remercie au fond du cœur parce que voilà, ça me permet que avoir votre avis dans les commentaires et aussi je suis content parce que pour comme ça il y a des gens qui regardent cette vidéo, ils se disent ah c'est pas une vidéo plouc ou soit une vidéo qui va la mettre encore une carotte ou un couteau derrière le dos, etc. etc. Donc je sais, il y a certaines explications que je vous ai parlé dans cette vidéo, c'est pas exactement clair, mais j'espère que vous avez un peu compris par rapport d'où je voulais en parler. Donc voilà. Bah voilà les amis, je pense que ça sera tout. Donc voilà, plus de bientôt 15 minutes de vidéo. Mais franchement quand même, j'espère que cette vidéo ça vous a plu. Comme j'ai dit, je vous oblige pas de mettre des pouces bleus sur cette vidéo. Y a juste, je vous donne juste trois petites conditions. C'est de, si c'est possible, mettre des commentaires,
et mettre des commentaires tête positifs comme vous voulez ou des commentaires négatifs. Voilà. Vous êtes libre au choix et puis voilà. Et nous, on va se retrouver très vite vers le prochain nouveau contenu par rapport à la chaîne. Et aussi, dernière petite chose, j'ai failli oublier. Aussi, sur ma chaîne YouTube, je vais changer mon nom à la place marquée Nicky Larson FR Manga. Je vais m'appeler peut-être Nicky Off ou peut-être un autre nom, mais ça a toujours tourné vers Nicky. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, ça a pu être une chaîne que spécialisée que du City Hunter, mais ça va être une chaîne spécialisée l'univers animé et manga. Donc, voilà. Allez, c'était Nicky Larson FR Manga. Allez, bye. Et je vous remercie au fond du cœur vers toutes les personnes qui vous respectez, comme je vous ai dit, par rapport à les commentaires positifs et négatifs. Surtout négatifs, n'abusez pas trop. Et puis voilà. Allez, c'était Nicky Larson FR Manga. Allez, bye bye.